Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour vous faire la démonstration des Magic Paint. Donc, comme vous voyez, moi j'ai 10 teintes. Et donc, ces petites choses, on peut en faire plusieurs choses. Ces petites choses, on peut en faire plusieurs choses, oui, bien sûr. Ah, je m'exaspère des fois, enfin bon, bref. Alors. Aujourd'hui, on va faire deux utilisations de ces petites choses. On va les tester pour faire de l'aquarelle et on va les tester pour faire des encres à alcool. Alors, j'ai tardé un petit peu à vous faire cette vidéo parce que j'attendais la réception de ceux-ci, des petits flacons vides. Alors là, ils sont pas vides, vous voyez, j'ai déjà mis de l'alcool. Mais je vous expliquerai après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger dans l'ordre des numéros. Hop. Alors, le numéro 2. Comme ça, en fait, après, ça sera plus facile. Je me suis préparé une petite feuille, vous allez voir. J'ai fait ça bien. Enfin, j'ai essayé, en tout cas. 7, 8, tic, tic, tic. Le 16, le 17, 23, 24 et 26. Voilà. Donc, on va tester d'abord l'aquarelle. Donc, j'ai pris un papier aquarelle, je vais les pousser. J'ai pris un papier aquarelle, je vais peut-être vous redresser un petit peu, histoire que vous voyez. Ouh là là. Est-ce que ça marche là? Pas facile du tout, hein. Hop, voilà. Donc j'ai préparé une feuille, comme ça je vais vous la mettre, avec les numéros que moi je possède, donc j'en ai 10. Et puis j'ai disposé un pochoir de chez Action. Pour tester si ces pochoirs fonctionnent déjà d'une, et puis pour tester la colorisation d'un pochoir avec de l'aquarelle. Donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai pris une feuille de papier 210 grammes, c'est du papier basique blanc, où j'ai encore mis un pochoir Action, et sur celui-là on testera les sprays qu'on aura fabriqués d'encre à alcool, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris ma palette. Hop. Je vais disposer de la poudre dans chaque coin. Là. Alors, hop, je vais débrancher ça de l'ordinateur. Alors, comment ça se présente? Vous voyez, c'est un petit flacon rond. Quand vous le dévissez, vous avez l'opercule et vous avez la poudre à l'intérieur. Donc, on va faire ça dans l'ordre. Voilà, le numéro 1. Toujours bien remettre la petite opercule. Des fois, vous allez voir, la poudre, elle n'a pas forcément la couleur qu'on ne s'attend pas du tout à cette couleur-là, en fait. Là, vous voyez, c'est censé être un rose, donc la poudre est quand même assez foncée. Donc ça, c'est pas un rose, c'est magenta. Là, c'est un rose. Hop. Donc, hop. Du violet. Donc oui, pour l'instant, j'ai un jaune, du magenta, un rose un petit peu plus clair normalement, du violet. Ensuite, j'ai la couleur dans le ciel. C'est en fait un bleu-gris. C'est censé être un bleu-gris et j'arrive plus à fermer mon truc. Hop. Donc oui, j'ai un bleu-gris, un aquamarine, un turquoise, un vert jaune, un vert plus foncé et puis un marron. Donc, je sais pas si je vais vous couper et puis je vous reprends quand j'aurai fini parce que ça va mettre 2 minutes peut-être pour faire ça et ça sert à rien que vous regardiez mettre de la poudre. Je reviens. Donc ça y est, j'ai disposé chaque poudre dans un coin et on est parti. Je prends un pinceau à réservoir d'eau. Et on commence par la première couleur. Hein. Hop. Oui, c'est un joli jaune.
trop cool. Donc, désolé, un cupé. Donc, deuxième couleur. Chouette, hein? Oh, le bruit du canon. J'espère que vous voyez bien. Ouais, vous voyez bien. Ah, j'avais laissé du vert. Franchement. Et canon, non? Bon, ben je vais m'amuser 5 minutes. Et je vais vous laisser ça. Hop. J'essaye que ça soit à peu près plaqué. Je vais tester toutes les couleurs. Hein. Si vous entendez mon petit garçon qui fait des bruits bizarres, c'est normal, il joue à la console. On va tester du vert.
En fait, plus on rajoute du produit, plus ça fonce, hein, comme les aquarelles normales. J'aurais testé le matin, celui-là j'ai pas testé, je crois. C'est trop trop bon. Les amis, on tient un truc là. Kylian, tu peux essayer de faire un petit peu moins de bruit? Tu peux ou pas? Essayez de faire un petit peu moins de bruit. Oui ou non? Bah parce que tu fais beaucoup de bruit, je trouve. C'est papa il dort. Bah ouais. J'aurais bien joué 5 minutes. Oui, c'est décollé mon scotch au bout d'un moment, donc je sais pas ce que ça va donner, mais. Oh, c'est beau. Waouh. Donc, eh ben, aquarelle, ça marche plus que bien, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais aller rincer le pochoir et puis après on va faire le test avec les encres à alcool. Donc me voilà, j'ai donc pris 3 pchits, on va essayer que 3 couleurs. J'ai ma pointe pour essayer de récupérer de la poudre là, comme ça bah, on gaspillera moins. Hein. Donc on va tester cette couleur. J'arrive à la récupérer. Je vais pas y arriver. Non. Je vais pas y arriver. Donc on va essayer un bleu. Donc hop. Je sais pas si vous voyez. Ça va être top. Donc pour faire ça, j'ai pris de l'alcool à 70%. On va faire un rose. Le magenta, c'est ma couleur préférée. Du feu de Dieu. Hein. Et puis en troisième couleur, on va faire le jaune. Hop. Et voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Je vais prendre ceci. Alors là, les pigments se sont bien dissous. Ouais, il reste quand même encore un peu. Et puis là, il y a des dépôts. Enfin, on va voir. C'est parti. Pas l'impression, hein? Ah, si. Bon, le jaune, c'est très clair. Bon, le bleu aussi, mais ça marche, on dirait. Hein.
j'espère que vous voyez. Donc, hop, décollons ça. Oui, oh, c'est beau. Bon, là j'ai un peu trop mis du spray. Du coup ça s'est passé à travers, mais est-ce que vous voyez la beauté du truc? Je sais pas si vous... Attendez, je vais faire sécher 2 minutes. Donc je sais pas du tout, dans le retour j'ai pas l'impression qu'on voit, enfin si peut-être, c'est super canon. Bon, alors là vous voyez j'en ai trop mis, là aussi. Par contre ça peut rendre mais trop bien quoi. Bon, je suis plutôt contente, vraiment, de ces petits sprays. Bon, je vais les garder. Hein. Hop. Et puis, ben voilà, c'était le premier test des Magic Paint. Moi, je veux tester ça sur de la polymère. Mais là, je suis pas... Je peux pas en faire aujourd'hui. Donc, je vous ferai ça une prochaine fois. Et puis, ben, regardez-moi ça. Là, je pense que l'aquarelle parle d'elle-même. Les couleurs qui sont ici sont juste magnifiques. Mais vraiment, oh, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Donc, eh bien, voilà, c'était le petit test du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis, scrapez bien. À très bientôt. Ciao !